que vous pouvez me présenter l'AFPA en quelques mots? Bien sûr, donc l'AFPA, nous sommes un organisme de formation depuis 1946. Nous sommes basés sur toute la France, sur tout le territoire national et principalement 13 centres en Île-de-France. Nous formons à peu près à 300 métiers. Avec voilà, un panel des métiers sur les métiers du bâtiment, de l'industrie, du tertiaire. Le tertiaire, c'est très très vague, mais le tertiaire administratif, le tertiaire dans les métiers de la sécurité, les métiers de la grande distribution, l'assistante de vie aux familles. Donc un panel très très large de formation. Donc vous êtes un institut pour adultes, formation pour adultes, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça implique une reconversion ou pas nécessairement? Pas nécessairement, pas du tout. En fait, nous avons différents types de clients. Nous avons des personnes individuelles, donc des personnes qui sont demandeurs d'emploi, qui sont financées par le conseil régional, aussi des formations qui sont financées par Pôle emploi, par différents dispositifs. Nous avons aussi des formations pour des personnes qui sont en licenciement dans le cadre du CSP. Et nous avons aussi des entreprises qui forment leurs salariés dans le cadre du plan de développement des compétences. D'accord, donc et nous formons aussi sur l'alternance. En alternance aussi. Tout à fait, parce que nous sommes CFA depuis l'année dernière. D'accord, ok. Sur quelle formation l'alternance? Tous les métiers sur lesquels on dispose, exactement. D'accord. Tout à fait. Comment on fait pour se tourner vers vous, pour vous solliciter? Alors, nous avons différents canaux. Vous pouvez vous rendre sur tous nos centres de formation. Nous avons des agents d'accueil qui sont là pour vous conseiller, pour vous orienter. Donc ça, c'est le canal physique. Nous avons aussi un numéro de téléphone unique, le 3936. Donc là, il y a des opérateurs qui prennent en compte votre demande. Et puis, nous avons bien sûr notre site afa.fr. Et comment ça se passe, une entrée en formation? Alors, une entrée en formation, donc vous contactez donc ce canal-là, vous vous inscrivez et on reprend contact derrière, pour prendre contact avec vous, pour affiner votre besoin en formation ou votre besoin d'accompagnement, parce que nous avons de la formation, mais aussi d'autres prestations d'accompagnement. Donc voilà, donc il y a des personnes qui sont là pour vous conseiller sur votre parcours de formation ou de prestations d'accompagnement. Est-ce que vous avez une idée des formations les plus sollicitées actuellement? Alors, sur tous les métiers en tension, voilà, les métiers du bâtiment, les métiers là en ce moment de la restauration, avec ce qui vient de se passer bien évidemment, les métiers de la sécurité. Là aujourd'hui en Île-de-France, avec les JO qui vont arriver, on est beaucoup sollicité sur tous les métiers qui vont être, donc le bâtiment, on est beaucoup sollicité dans le bâtiment, les métiers de la sécurité. Merci beaucoup. Avec plaisir.